Aujourd'hui, je t'apprends à faire une galette des rois 100% maison. On va faire la pâte feuilletée et la crème amande. Et comme c'est la période des vœux, on a un mois complet pour faire des galettes et présenter ses vœux. Allez, tout de suite la recette. Dans le bol d'un robot, tu verses la farine, tu ajoutes le sel, le sucre, puis le beurre et l'eau bien froide. Tu pétris jusqu'à former une boule. Ce n'est pas grave s'il reste des morceaux de beurre, au contraire, ça va aider à faire une belle pâte feuilletée. Tu déposes cette boule sur un plan de travail fariné, tu formes un rectangle et tu étales. Tu replies ce rectangle en 3, tu tournes d'un quart et tu étales à nouveau pour former un nouveau rectangle. Tu replies en 3 et tu refais un quart de tour jusqu'à faire 6 tours. Une fois que les tours sont faits, tu replies la pâte sur elle-même, tu la filmes et tu la laisses reposer au frais pendant 30 minutes. Pendant ce temps, tu prépares la crème amande maison, tu mélanges la poudre d'amande, le sucre, le beurre, les œufs, tu rajoutes une petite dose de rhum et un peu d'amande amère. Tu commences à mélanger le tout. Mon astuce, je rajoute une cuillère à soupe de maïzena pour obtenir une crème amande bien homogène. Tu continues à battre, tu mets dans une poche à douille, tu étales cette crème sur un cercle inférieur aux dimensions de la galette que tu veux et tu congèles le tout. Maintenant, tu étales ta pâte feuilletée et tu détailles deux cercles. Les cercles doivent être supérieurs au diamètre de crème amande qu'on. Tu déposes la crème amande congelée. Tu recouvres avec le grand cercle. Tu retournes délicatement ta galette. Tu dores avec un jaune d'œuf. Et tu dessines à l'aide d'un scalpel ou d'un couteau pointu le décor. Tu laisses reposer 30 minutes au frais. Et tu enfournes 40 minutes minimum à 200 degrés. Et voilà, regarde-moi, tu as une belle galette, bien régulière. J'ai juste oublié de mettre la fève, je l'insérerai par-dessous au moment de la dégustation. Si cette recette te plaît, abonne-toi, merci d'avoir regardé et à très vite.